Et bonjour à tous, nous revoilà repartis pour un petit Days Gone ce matin, épisode 3, on va essayer d'avancer un peu. J'ai l'impression qu'il doit être long le jeu quand même. Est-ce que je vois tout ce qu'on peut faire, c'est un truc hein. C'est un truc un peu à la Witcher 3, à la Horizon Zero Dawn. Je crois qu'il va y avoir 50 épisodes avec moi, au moins. On peut faire 3 épisodes à la Squeezie ou je sais pas qui là. Donc, c'est parti. Continuez. J'ai enlevé le chat. De toute façon, il n'y a personne qui parle. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Rouler jusqu'au lieu. Ah oui, j'ai été tué dans le. J'ai plus de putain de. D'essence. Mais je comprends pas comment on fait l'essence. Je prends l'essence, il veut pas la faire. Il veut pas la mettre dans la moto. C'est d'économiser de l'essence. À fond. Oh, comment c'est bien fait? Alors qu'avec mon nouveau PC. Je suis sûr qu'après on peut tout customiser la moto à fond, les couleurs, les machins. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Il irait chez moi en ce moment, avec la pluie. Ce qui est énervant, c'est que ça me donne à moitié la nausée. Ce jeu, je pense quoi. Encore un cran de maraudeur. Ouais, je sais ce que vous mijotez, bande d'enfoirés. Oh bah c'est par ailleurs. Hein. J'ai plus de putain d'essence. Hein. Quoi ce bruit? C'est une bonne idée ça d'avoir fait une sorte de. Se laisser aller. Ça y est, j'ai plus d'essence. Putain. Caps lock. Non. Shift S. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Cette terre nous a été offerte à nous pour qu'on en fasse ce qu'on voulait, pour en tirer les ressources nécessaires à notre bien-être et à celui de nos familles. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui nous l'a laissé. Mais c'était pas suffisant pour certains. Ils en voulaient encore plus. Quand les réserves de carburant ont diminué, ils ont augmenté les prix pour consolider leur pouvoir. Alors on a voulu construire des barrages pour l'électricité, mais leur précieuse migration de saumon était plus importante que de pouvoir se chauffer. On a voulu couper quelques arbres pour construire nos maisons, mais les nids d'une poignée de chouettes tachetées étaient plus importants que toute l'industrie du bois. Maintenant que les fédéraux sont 6 pieds sous terre, disons qu'on a éliminé les intermédiaires. Plus personne ne peut nous empêcher de prendre ce qui nous appartient. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. C'est en Oregon. Et tu sais quoi, Cope? Le prix du carburant a bien baissé ces derniers temps. Le seul problème, c'est qu'il faut aller le chercher soi-même. Et aux dernières nouvelles, il y avait un paquet de connards qui essayaient de récupérer ce qui leur appartient. Warwick.
qui renifle. J'entends du monde. Oh putain! Sa mère! Merde, presque à court. Putain, d'où il sort lui? C'est, j'ai plus de vie. Putain, c'est vraiment comme Walking Dead en fait. C'est fou. C'est vraiment la même ambiance. On vit avec des zombies autour de soi, faut faire avec. Je viendrai la rechercher, hein, punaise, parce que là... Ça peut m'être utile. Y'a pas du carburant là-bas? Putain, y'a des zombies encore. Putain, c'est le but du jeu un peu. Bah, des soins déjà, ce serait pas... Oh putain, y'en a un là. Des soins, putain, mais il n'y a jamais de soins en fait. Je suis en normal, hein. Je suis pas en difficile. Hein. Quoi là-haut? Monte, 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 monte. J'ai zéro. Je veux des médicaments. C'est pas possible! C'est pas possible! Il me met des trucs partout, c'est que des poignées de porte! Ta mère, c'est pas possible! Oh putain! Du tout, hein. Y a rien du tout ici, c'est pas possible. Ce qui rend d'ailleurs encore plus d'intérêt au jeu, c'est que c'est pas facile. Où est-ce que je suis, punaise? Je vais au nord. De vie quoi. Plus mon gars, il va mourir quoi. Encore des nids. La zone est infestée. C'est ça l'odeur. Je vais tout cramer. Faut que je les élimine. Ah bon? Où est-ce qu'il voit des nids?
Merde, sa mère. Reste à terre. Tu es ta mère. Oh, j'allais me soigner, je peux pas. Je peux pas attaquer le nid. C'est là-bas, je pense. Ouais, pas la peine. Mètres, 165 mètres, allez. Camion de pompier, il va bien y avoir des trucs là-dedans, des médicaments, s'il vous plaît. Yes. Ah, on va mieux là. Grotto Caves. Dire quoi qu'il y a un nid? Un truc radioactif, je sais pas. Putain, j'ai plus de balles. Ah! Entrée dans l'Old Pioneer Cemetery. C'est quoi qu'il y a là? Ah oui, carrément. Ma moto est là. Il m'aura mis ma moto. Vas-y bien. Un peu. La statue de l'ange. Toujours utile. Que j'ai dans la main. Bombe, tuyau. Ah ouais, tiens. C'est bien ça, c'est bien les nids. Pourquoi je vois pas la statue de l'ange? Bon là, là.
coup, on s'approche, on doit pouvoir les tuer d'un coup, non? À moi les primes. Ah ouais, carrément, il monte. Ah ouais. J'ai même pas vu. Il bouffe un... Il bouffe un... Un cerf. Forcément ça. Bon, où t'as planqué le matos, Léon? Bon, par où? Peut-être dans un de ces trucs. Oh putain, oui. Mais c'est quoi cette truc? Pourquoi il me demande de trouver un truc d'un ange? Ousmane, tu m'entends? Tu vas pas me croire! Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? L'hélicoptère du Nero! Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer! Après tout ce temps, des fédéraux qui débarquent en hélico? Je vais les rattraper! Et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent! Hey Dick! Fais gaffe! Je pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Et fais pas de conneries. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Mais il faut que... Oh putain, ils sont juste là. Que je les fasse dégager. Putain, j'ai plus de... sa mère. Mmh.
pas d'autre sortie en fait. Je les ai envoyés en plein sur la sortie comme un naze. Je suis con en plus, faut en fabriquer plein. J'avais oublié. Mais il n'y a plus qu'à essayer de les tuer. Quoi. Pourquoi j'ai. Putain de t'enculer ta mère aussi toi. Et tu fais quoi maintenant? Oh punaise. Hélicoptère à pied quoi. Je savais pas. Ce que j'ai dû là. J'ai de l'essence pour tout le coup. Oh, attends, attends. Ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. C'est bien, ben, il m'a repéré plein tout ça. Ah oui, carrément, il y a plein de gens. Avec des UMP. Scénario mis à jour, donc faut aller où là? C'est le scénario en fait. À la recherche de Léon. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je sais plus qui c'est, Léon. Je comprends ce qu'ils font. Bon, c'est parti. Discretos. Ah d'accord, ils sont insensibles à mes attaques. Si je lance une pierre, ça doit détourner leur attention. Je déteste ce temps. S'ils me voient, je suis foutu. Le fameux caillou. Vous allez bien? On attend tous les jours. Je
cette pioche. Cool. C'était à portée de la chercheuse. Qu'est-ce qu'on peut bien foutre ici? Ce qu'on nous dit, maintenant ferme-la. Putain, c'est long. Ça va, c'est pas la mort. J'ai entendu un truc. Bon, faut que j'avance baisser. Crève de froid ici. Remontez le thermostat, bonne nuit. Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 5 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé. Salut Doc, je vois le 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous? Non, c'est O'Brien. Compris. Et merde, où j'en étais? On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert. C'était quoi ça? Signé site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photos jointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Vous écoutez ce que je vous dis? Il est encore en vie? 400 spécimens. Comme des bébés. Et j'ai demandé si vous m'appréciez. Je me suis pas proposé. Civil ou tempéré, je ne me répéterai pas. Je suis pas venu chercher la merde. Oh le mauvais. Pierre, ça devrait détourner leur attention. Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 5 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé. Salut Doc, je vois le 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous? Non, c'est O'Brien. Compris. Et merde, où j'en étais? On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert, désormais désignée site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photos jointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des coques en pâte là-dedans. D'après les capteurs de mouvement installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. C'est parfois, Ed O'Brien est encore en vie? Sarah, bordel. Non, oublie ça. C'est pas possible. Vous écoutez ce que je vous dis? Il y a plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stats 3. Mais ils dorment comme des bébés. Et j'ai demandé si vous entriez. Je me suis pas proposé. Ces spécimens ne dorment pas, ils hibernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Ouais, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. J'en ai vu un mettre mon pote en charpie, comme s'il pelait une banane. Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, Caporal. Merde, je suis désolé. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça... qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait la grotte, on réduirait leur population? Je l'ignore, Caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp.
C'est chouette alors. C'est vraiment excellent. Je me demande bien ce qu'on vient foutre ici. Ouais, là-bas. On a tout ce qu'il faut. J'ai entendu un truc, j'ai vérifié. Combien de temps ça va? Vous avez entendu? Trop longtemps, ça c'est sûr. Champignons en passant. Mais un île en plus. Putain, c'est loin. C'est aussi terrible. Moi j'ai validé là. On dégage. Montez, montez. Allez, allez, allez. Go, go, go. L'organisation nationale d'intervention d'urgence, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? J'ai perdu Sarah, le gars qui l'a amené. Il s'appelait O'Brien. Oui, O'Brien, je suis sûr. Et là, le Nero se pointe 2 ans après comme une fleur pour étudier les mutants. Il parle de ce type comme s'il était encore en vie. O'Brien, comment il peut être encore vivant? J'ai un peu de mal à comprendre. Inquiète. Retourne les ennemis un contre les autres. C'est bien ça. Boozer, tu me reçois? Boozer, réponds! Nick, salut, tu me reçois. Quand on a quitté Farewell, le mec du Nero, le soldat ou je sais pas quoi. Celui qui a emmené Sarah. Attends, 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 de quoi tu... Putain, sa mère. Il portait un badge. Il y avait quel nom dessus? Oh putain, O'Brien. T'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Three Finger Jack. Ok. Il est vivant, Boozer. Il est vivant. C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute. Je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Wow, wow. T'es entré dans leur ZEDA? Mais t'es complètement... Hey, écoute-moi. J'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. Dick, c'est pas ça. Non, Boozer, t'inquiète. Je vais juste... Essaie de dormir un peu. Terminé. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre a débarqué, ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté quand le monde a commencé à partir en couille. Moi, j'ai eu de la chance. La plupart de ceux qui ont osé défier les fédéraux, ça s'est mal fini pour eux. Les cimetières sont pleins de martyrs. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer...
dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais. Parce qu'on a voulu me faire taire aussi. J'ai lancé Radio Libre Oregon quelques semaines avant la chute des fédéraux. J'émettais depuis un fourgon banalisé que je déplaçais de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Non, Cop, les cimetières sont remplis de mutants, pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger, c'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Hein ? Pour pas avoir à écouter tes conneries de Radio Libre Oregon. C'est bon. Merde. C'était bon. Des pillards et des drifters. Ouais, bah je passerai plus tard aussi, parce que là. Je peux pas m'occuper de tout le monde, hein. J'ai plus besoin de toi. J'arrive à les avoir les autres en bas là. C'est magnifique. Excellent. On peut pas tourner juste la tête comme dans PUBG. Hein.
Voilà, équiper l'arme. 1, 2, 3. Objet jetable, tout ça. Ah, c'est magnifique, hein. Putain, c'est génial, hein. C'est vraiment... Oh, c'est génial. Carrément. Je vois rien dans l'ouverture. On verra bien. Parce que sinon, moi, je passe des heures pour faire ça. Voir si des trucs à ramasser là. Pas de piège. Oh mais il y a un... Ah mince, ils m'ont tué.
t'as pas le temps. Ils ont tué direct l'otage, quoi. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Vous les avez peut-être vus ou entendus. Et vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non, ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. On pensait que le Nero et tous les autres étaient morts là, dehors, écrasés sous le poids de leur stupidité. Mais non. Je l'ai dit. Ils se planquent depuis le début, en attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Mais ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. Et allez pas vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur uniforme sont morts il y a plus de 2 ans. Ces types-là, ils vont tirer à vue. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Oh, mais putain, Cope, ils vont rien récupérer du tout. Tu racontes n'importe quoi. Enfin, à part que, ouais, ils tireront à vue. T'as de la chance. J'ai plus de d'essence. Putain, j'ai 1,8 km à faire en courant, je vais me rencontrer plein de... connard, hein. Oh la vache. Je fais pour entrer là-dedans. Fermé. Ouais, je voulais utiliser des essences pour ma... pour ma moto, punaise. Pas moyen d'utiliser ma...
la veille, Gecko. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre est débarqué. Cop, ferme-la, bon sang. Je vais refaire tout ça. Ça m'énerve qu'il se remet tout seul, c'est ça qui me dérange. Il se remet tout seul. Voilà, il revient pas. C'est moi qui décide. Je vois galoper. Oh putain. C'était ça, c'était celui de la caméra qui me perturbe à chaque fois, ça revient. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un pris au piège? Oh putain, sa mère. Il est où l'otage? J'ai entendu un otage qui gueulait. Aidez-moi! Pitié! Je vous en prie! Par ici! Par ici! Aidez-moi! J'entends pas, je vois pas où il est. C'est fou ça. Il est où? Je peux pas sauvegarder. Aidez-moi!
vous en prie. Par ici. Par ici, mon Dieu. Aidez-moi. Je vais mourir. Où est-ce qu'il est? Ok. C'est pas trop tôt, hein, saloperie. Ah, j'ai bien fait dans le vide. Oh putain. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Vous les avez peut-être vus ou entendus. Et vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non, ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. On pensait que le Nero et tous les autres étaient morts là. Non, je crois pas, Coupe. Pas aujourd'hui. Il y avait de l'essence là. Où est-ce qu'elle est? Merde, elle était où l'essence? J'ai pas rêvé, non? J'ai vu de l'essence. Ah oui, voilà ici. De l'essence. J'ai pas, toujours pas compris où il est le gars. À délivrer. Où ils vont tuer. Ah, oh, c'est excellent. Contre-jour. Bon, tu peux faire. Il veut pas faire. Elle est où l'essence? Putain. Je t'ai eu. Pourquoi il veut pas faire le plein? C'est quand même fou. Fais le plein. Je comprends pas où il est.
là que j'étais tout à l'heure. Hein. Je comprends pas où il est le gars. C'est bon. Une fosse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici déjà ? Ah oui, parce qu'ils sont cons. Elle est si loin que ça, ma moto ? C'est excellent, il y a même la trace de la moto quoi. Une moto. Merde, une patrouille de squatteurs. Où vous avez eu cette bécane, hein? Moi je suis à pied comme un con. C'est pas possible. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Je te rattrape. Attends. Va moins vite. Mais j'arrive pas à faire le plein. C'est quand même un truc de fou, hein. Et voilà. Faut faire F, putain, faut faire F. En plus, c'est le plein, quoi. Allez, salut, les gars. Non, je pars très bien le courant. Oh la vache! Ah! C'est nouveau ça! Eh, enculé de ta race! Qu'est-ce que tu dis ça, hein? Tire-moi dessus, espèce d'enfoiré!
C'était lui ? Putain. Ah ouais, 1%, hein, il m'a bien niqué ma moto, lui. C'est réparable. Bon. Culé de tarasse. Sniper. C'est à cause de ça que j'avais la nausée, c'est parce que ça se remettait tout le temps tout seul derrière lui. Ça me saoulait. J'avais pas remarqué en fait. La verraille. Quand t'as pas envie. Mais non. Alors que là. C'est moi qui décide si je veux tourner ou pas. Hop, attends. Peut pousser que d'un côté. Ah, bloqué par la moto en plus. Oh, je pousse la moto. C'est pas mal, non. Les yeux ouverts, ils sont où là? Ça vous intéresse pas, Days Gone, les yeux ouverts? Ou vous êtes en train de regarder, vous dites rien? Bien. D'accord, des fusils de rechange. Je me demande ce qu'il y a dans cet UMM. Oh, mais où est-ce que je vais trouver un fusible, moi? Bah ouais, bonne question. Voilà le générateur. Pas de courant, bien sûr. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Coup de l'essence? Y'a pas d'essence. Laissez-moi deviner, plus d'essence? Bah voyons. J'en suis. Oh, de l'essence. De quel côté? Et voilà. Voilà, F, il faut faire, connard. Punaise. Ça doit le faire. Ben non, s'il n'y a pas de fusil. Oh, ouais. Je vais regarder ça de plus près. Et la musique. Il peut pas rentrer là, ce naze. Il pousse le truc et puis tu rentres, c'est tout. C'est verrouillé.
faut que j'aille jusque là-bas, quoi. Et ici, à quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Je reviens là, hein. Tu as dit le drifter. Oh, mais quelle naze. Rien en fait. Allez. Cet homme que je traque, il a tué qui? Est-ce que ça peut te foutre? Tu as payé pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cope? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Casque argenté, réservoir rouge, c'est lui. Oh putain! Qu'est-ce que... Donc t'as cru que tu pouvais traverser le camp gobelin et tout mitrailler, c'est ça? Buter des gens, piquer du matos, et te casser. On fait un tour au supermarché. Je peux pas le laisser se tirer. À la vitesse où je vais, ça va être compliqué. Hein.
suis nul. Un peu nul. Si t'avais flingué Manny, hein, qui réparait ma moto, hein, sale petite merde. Va te faire foutre. T'es un des larbins de Copland. Un putain de kleps. C'est tout ce que t'es. Un putain de clébard. Tes coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? J'ai envie. Drifter. Ouais, bien vivant. Drifter. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il le restera. Terminé. Dis-lui, dis. Dis-lui ce que. Dis-lui, Drifter. Dis-lui ce que j'ai dit. On peut faire un voyage rapide. Je suis où là? T'es là? J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Ouais, je suis là. Accroche-toi, François. Dès que tu seras remis sur pied, on file vers le nord. Comme on avait dit. Ouais, j'espère. Ça me manque grave de faire des motos. Concentre-toi sur ton rétablissement. Faut encore que je bricole la bécane et on récupère du matos. On met les voiles dès que tu seras remis. Ok? Terminé. Oh, putain, j'espère que ce truc contient quelque chose qui valait le coup. Mais j'avais pas pris des trucs, moi. Mais comment? Je stocke rien du tout, moi.
Et la gasolina. La gasolina. Eh, mais la gasolina. La gasolina. Oui, c'est énervant. Hein. Mais j'étais déjà en retrait ici. Pourquoi j'ai encore des trucs? Ah si, je l'ai enlevé, je suis bête. Ok, je repasserai, je dois brûler tous ces nids. Et voilà. C'est plus facile comme ça, hein. Débile. Ça devrait pas exploser puisque je viens de faire le plein. C'est la gasolina. À chaque fois, j'ai du mal à aller là où je veux. C'est quand même incroyable d'être nul comme ça. Kérosène. Kérosène. Super, j'ai pas de...
se casse. Putain, j'ai eu des boules. Comment j'ai eu des boules? Glisser quoi, trop bien, incroyable. Putain, mais tu vois là. Mais. J'ai bien loupé, hein. Les s'en prennent aux mutants. À votre bon cœur, les gars. Thank you.
Attends, attends, j'arrive. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Oui, oui, le camp. Le camp. Quel camp? Montre-moi. Où ça? Peaceful Lake, Mark Copland. C'est un lieu sûr. J'ai bien failli y rester. Merci. Oh, merci. J'ai cru que j'étais foutu. Merci. 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 Je m'appelle Deacon. Ils savent qui je suis. Garde la tête baissée et cours. J'ai pas compris. Fait que je fasse quoi? On a de la visite à l'entrée. Ouvrez-moi, merde! Ouvrez, c'est le drifter. Putain, j'ai plus de vie, quoi. Ils sont où, Tucker et Alkaï? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain. Oh, je vais arrêter là. Comment j'enregistre? Est-ce que je peux enregistrer? Ouais, sauvegarder. Bon bah c'était sympa, c'était l'épisode 3, ça avance bien, c'est vraiment excellent je trouve. Je suis content d'avoir enlevé la caméra là, qui se met automatiquement à chaque fois derrière la moto et derrière le bonhomme, ça me donne la nausée. Donc là c'est nickel, c'est comme Assassin's Creed, quoi, je tourne quand je veux, moi, pas que lui à chaque fois, t'es là, t'es en train de regarder et puis tout d'un coup à gauche et tout d'un coup, il te fait revenir à chaque fois là. Mais c'est pas possible, le cerveau qui... Non je veux pas. Je l'ai enlevé, c'est très bien. Allez, super. À demain, si vous le voulez bien.